Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le journal Créole sous plateforme nous ensemble avec VOA Créole. Ça nous pas perdre du temps. Pour parler directement nous salir, côté nous gagne deux envoyés spéciaux, une c'est Valérie Saint-Louis et l'autre là c'est Junior et qui lui-même a couvert pour nous et coupe du football féminin. On a commencé avec Valérie Saint-Louis pour nous dire et Valérie figure frère papa là bon l'autre bois comment ça et l'autre bois avec les préparatifs qu'a fait pour match quart de finale entre Angleterre avec Colombie. Comment va Valérie l'autre bois? Jean-Aubert, je vous salue depuis ville Sydney, dans le pays Australie. Bon, et bagala frère pour nous, frère, c'est parce que Gonti Frédu qui justement a passé là dans nous, puisque je dis encore une fois, après plus que en Australie, nous en plein hiver, Jean-Aubert. Donc son température qui avoisine 55 degrés Fahrenheit, donc vous comprenez. C'est ça qui fait peut-être figure en frère. Et bien préparatif, yo, et je dis encore une fois, c'est un gros match, puisque nous même dans VOA Creole, nous toujours sous place et nous suivons l'équipe Colombia. Parce que justement, c'est évident. L'équipe Colombia, c'est la seule équipe non américaine qui continue dans le championnat du monde. Ça. Donc, moi-même avec Gentil Junior Augustin, nous avons suivi l'équipe là, nous souterrains ensemble avec eux, nous avons une conférence de presse, nous avons un côté qui a fait préparatif. Et en même temps, tout, nous avons des fanatiques qui n'ont pas hésité à montrer drapeau, yo, montrer maillot yo, pour l'équipe Colombia. Ce gros match, Colombie contre Angleterre, son match que nous avons avec un pile patience. Et il y a des gens qui ont déjà fait des prédictions, mais quand même, nous allons regarder les souterrains qui le savent. Préparatif, moi-même avec Gentil Junior Augustin, n'a pas suivi l'équipe Colombia pour vous. Là, nous devant Australian Stadium, qui est dans la ville Sydney, dans le pays Australie. La 20 match ça qui a opposé l'équipe nationale pays Colombie face à l'équipe nationale pays Angleterre. Un gros match qui est décisif pour deux équipes. À dedans stadium ça, il était fait une conférence de presse, côté que coach Techita ensemble avec joueur ça, Maïr Ramirez ensemble avec coach Nelson Abadia, il a parlé avec la presse. Une presse qui était bien présent, une presse latino-américaine en majorité, qui t'a posé des questions. Coach a expliqué que match là lui-même, lui décisif pour l'équipe lui-même, qui a représenté le continent américain, d'après ça, dit. Joueur attaquant équipe colombienne, Maïr Ramirez, fait qu'on est en pleine forme physique et mentale, lui paraît pour jouer match là. Dans la question que posé coach, il dit coach, est-ce que le pas senti que qu'on poids sous dol? Puisque l'équipe colombienne, c'est le seul pays dans le continent américain qui continue dans le mondial football FIFA 2023. Ça. Il dit oui, son gros poids sous dol, mais il paraît pour poter pour ça. Ballon pour rouler, football pour jouer normalement face à l'équipe anglaise qui n'a pas sous-estimé. Le savoir de toute l'histoire que tiene Inglaterra. Nous connaissons l'histoire de l'équipe Angleterre qui a gagné dans le football. C'est important, mais pour moi, c'est important tout, les ou souterrains. C'est 11 joueurs contre 11 joueurs. Ça très important. Avec 22 joueurs qui pourraient commencer le match là, nous gagnons même optimiste là pour chaque match. Nous connaissons la capacité de l'équipe nationale à gagner avec qui Jean est capable de faire face à match ça. Coach Nelson Abadia fait connait que match là très physique. L'équipe Lyon parie pour ça. Coach Nelson dit que l'équipe Lyon a bien joué. Il n'y a pas que l'a fait changement dans la formation équipe là. Il connaît que l'équipe anglaise a très bon. Il a été pris un petit break souterrain hier et je dis à retourner en pleine force. C'est seule équipe dans l'Amérique là qui continue dans la Coupe du Monde. C'est un honneur et une grande responsabilité. L'in attaque équipe Lyon pour aller résultat contre champion Europe là. Il a poursuivi pour dire que chaque match gagne une stratégie par eux à propre situation par eux. Il dit que football femme en Amérique pourrait changer à partir de match ça. Maïr Ramirez, attaquant équipe colombien, t'es parlé et puis répond une question à la conférence pour la presse ça. Estamos tranquilas, sabemos que va ser un partido difficile pour toutes nosotras, pero nous connaissons les prêts difficiles, mais nous t'es préparé pendant des mois et nous avons confiance que les prêts ont un gros match. Ça va dépendre du résultat de match là. Match qu'a proposé sélection nationale pays Colombie contre sélection nationale pays Angleterre, qui a joué pour nous pas bon ici dans ville Sydney. Samedi 12 août à 8h30 du soir, et pour nous même qui est dans la côte Est aux États-Unis, en Amérique, en Haïti, et certainement Miami et Washington, c'est à 6h30 du matin que match a déroulé dans Praplo. Dans le stadium, ça, qui est dans là, qui c'est Australian Stadium, qui est dans la ville Sydney, dans le pays Australie. Après conférence de presse, les joueurs ont été fait virer souterrain, en dedans stadium, ça, côté que ont accommodé à environnement terrain, climat et puis avec ambiance terrain. Nous avons remarqué que les joueurs de sélection nationale pays Colombie ont été en proximité facile avec les médias qui étaient là. Comment est-ce que vous même la presse, qui surtout fait partie de médias latino-américains, ils ont eu une chance, ils ont eu une opportunité d'approcher les joueurs et même faire photo ensemble avec les joueurs de la sélection nationale pays colombien. C'est un moment de détente, un moment d'ambiance entre joueurs souterrains avec journalistes, la presse qui était là, qui t'a suivi. C'est comme ça que ça a sorti dans la conférence de presse, arrivé souterrain pour faire accommodation terrain. Avant match, ça a opposé, n'après plus encore une fois, pays Colombie face à pays Angleterre. Pour VOA Creole, Gentil Junior Augustin, Valerio Saint-Louis, depuis Sydney, pays Australie.
Bon bagay, Valérie, n'a pas quitté Kounia et Stade là. Bien avant nous quitter Australie, mesdames et messieurs, il faut que nous rappelons que sélection nationale de football haïtienne a fait partie de Coupe du Monde. Ça, bien malheureusement, qui a perdu tous les trois matchs, un goal à zéro, et tout goal ça a fait sous un penalty. Chaque goal a fait sous un penalty. Mais c'était une équipe de football qui était vraiment, mais vraiment solidaire, une équipe qui a un pile talent et qui était mette mental à un niveau extraordinaire, puis qui a mené le pays d'Haïti vers la victoire, mais bien malheureusement, sa patte arrive faite. Nous continuons ensemble avec Jean-Aubert. N'a toujours été dans le même environnement, côté gain, t'es gain entraînement tout, et c'est ça, je suis Augustin invité choisi pour le faire. M'a payé, je suis venu à l'agentie pour demander comment ça est gentil, ou même qui j'en est en entraînement, pour t'es choisi pour t'as regardé entraînement, mesdames, comment ça est? Oui, Jean-Rose, on dit là, nous t'ai choisi aller regarder comment mesdames yo même yo t'a entraîné sur terrain les chats ovales là. Une façon pour nous regarder préparation équipe là. Son équipe qui est vraiment motivée pour la jouer face à l'équipe Angleterre là. Nous connaissons l'équipe Angleterre là, c'est ancien champion d'Europe là, c'est lui-même qui gagne coupe là dans même, donc c'est pas une équipe qui va le facile pour Colombie. Mais n'a pas rappelé Mounio tout. Dans le dernier match de l'équipe Angleterre, là, il y a Lauren James qui était prêt en carton rouge. Est-ce que ça va jouer contre l'équipe Angleterre là, pour Colombie lui-même? Coach Colombia a exploité ça parce que Lauren James c'est une pièce maîtresse de l'équipe Angleterre là, mais qui était prêt en carton rouge en face Nigeria à cause d'une vieille faute qui était faite sous Alozi. Donc, il est déjà suspendu pour deux matchs, même Angleterre s'il t'a passé, l'a perdu, jouer ça. Et est-ce que Colombie va exploiter vite ça, qui gagne dans l'équipe Angleterre là pour avancer? Nous pouvons connaître, on garde ça sous terrain. Après nous jouer pour l'équipe Colombia, tu as une conférence de presse, une façon pour te dire comment. Mondial ça lui même l'a déroulé pour yo et t'es parlé en pile sur comment yo pral faire face avec équipe anglaise là, mais yo pas traité là. Immédiatement après conférence de presse là, équipe là t'es prend bus pour t'es venir dans dernier entraînement. Donc a dit un dernier entraînement pour l'aller faire face avec équipe anglaise là. Équipe Colombia son équipe qui passer en pile gros équipe avant d'arriver dans la phase ça qui c'est quart de finale. C'est troisième participation et c'est première fois d'arriver dans la phase ça. Donc son match qui vraiment important pour l'équipe colombienne, important pour coach là et important pour chaque grand joueur dans l'équipe là, spécialement Linda Caicedo qui c'est vedette équipe ça. Li gen une grosse responsabilité pour match ça demain. Si n'a regardé DM là, n'a pour équipe là cap chauffer, équipe là cap entraîner pour li al faire face à équipe anglaise là. Une équipe anglaise qui gagne dernier coupe d'Europe là dans main. Donc c'est pas une équipe qui facile. Nous te voyons équipe là en face équipe Haïti a et kounya la nou pral wèl face à équipe Colombia qui c'est dernier équipe dans Amérique là qui nan phase ça nan mitan en pile équipe européenne. Pour Colombie te rive là nan phase de poule yo, li te joue à équipe Allemagne là que li te bat 2 goals à 1, li te joue à équipe Corée du Sud là que li bay 2-0, li te perdu en face équipe Morocco a. Nou k'ap di Maroc yon goal à 0, mais li te passé quand même parce que c'est lui même à Maroc qui te jwenn chance pour aller jouer 16e de finale yo. Nan 16e de finale là, li t'a pas croisé avec équipe Girls yo, Jamaïque, yo te rive bat Jamaïque, yon gen goal à 0 qui voye yo nan quart de finale pour la première fois depuis a participé nan mondial féminin. Coach a promet en pile bagay a passé et li promet que match sa li très important pour yo kenbe football Amérique la nan monde lan, surtout nan mondial mesdames yo. Valerio Saint-Louis, gentil Augustin Junior, depuis Sydney, Australie, pour VOA Creole. Merci monsieur, bon travail. En tout cas, nous même fanatiques yo, pas dormi. Il y a deux matchs qui fixent demain et qui fixent pour demain. D'abord, il y a un match Australie qui est organisateur du même cap joué et puis il y a tout et équipe Angleterre qui a pas côté avec équipe Colombia qui participe à celle équipe dans la région qui toujours été dans la compétition. On a parlé dans la nouvelle lieu qu'on y a, nous pour aller dans l'Équateur. Mais l'autorité Équateur a annoncé qu'il a arrêté un groupe colombien qui semblait être en connexion avec assassinat qui fait sous candidat à la présidence anticorruption. Sandra Lemaire, il y a plus de détails.
Un suspect mouri et six autres joignent arrestation yo après assassinat candidat à la présidence équatorien Fernando Villavicencio. Tout suspect yo c'est moun pays Colombie. D'après ça, la police fait connait jeudi. Villavicencio, yo ancien parlementaire et journaliste, mouri par balle dans la capitale la Quito mercredi pendant l'état mené campagne. L'homme est arrivé moins que deux semaines avant élection. Ministre intérieur Juan Zapata dit la police saisit une variété d'armes pendant une opération qui était débouchée sous arrestation. Le gouvernement dit tout la poursuivre auteur intellectuel assassinat. La police publie vidéo arrestation yo jeudi. Assassinat a choqué Équateur et gagne en pile citoyen qui dit y a vive à Claperez. Zak violence augmenté en pile pendant année qui passait yo, cartel drogue yo a crime organisé fin tourner un gros problème. Ministre Défense Équateur dit yo déployé tout partout dans pays a troupes qui pral rete en place pour juste élection en fini. De l'autre côté, monte rassemblé pour protester assassinat devant un cimetière côté yo té organisé un veillée pour Via Vicencio. Té gen manifestant l'autre côté dans capitale la tout, côté moun t'a mandé justice pour politiciens. Gen plusieurs candidats rivaux qui suspendent campagne à cause assassinat. Sandra Lemaire pour VOA Créole, Washington. Pas oublier dans moment là pays Équateur, mesdames et messieurs, c'est un pays qui a combattu groupe armé de façon massive, mais jusqu'à présent on dirait que situation pour qu'on capable résoudre correctement. Et c'est un pays tout qui était paré pour aider pays d'Haïti capable combattre gang yo, mais jusqu'à présent nous gagne vite l'homme innocent qui a fait actualité. Et pour que j'aime gagne yon grain autorité qui décide camper en face groupe armé ça pour qui ça nous pas connaît, mais situation n'a suivre évolution. Aux États-Unis, juge fédéral qui a géré dossier Donald Trump, ancien président Donald Trump, par rapport avec complot pour renverser les résultats élection présidentielle 2020. Et bien, il a lancé avertissement par monsieur pour dire qu'il y a une limite sur qui ça, ancien président, capable de dire publiquement sous enquête la. Enquête là, dans le moment, la mené campagne pour un deuxième mandat dans la Maison Blanche. Dans la nouvelle, toujours, juge Tania Chukin t'a demandé à Guillemant vendredi sur qui Jean l'État doit structurer un lot protectif qui t'a empêché public là, vin au courant toute preuve avocat accusation au gain. Cependant, il t'a profité forum non pour lui parler sous mélange que, qu'est sauté légal avec politique qui vient poser pour première fois dans l'histoire par rapport avec de ceci là. Juge Chokon souligne considération politique pas influencer décision li. N'a pas de nouvelles aux États-Unis, nous parlons dans le pays d'Haïti tout droit pour nous dire que les États-Unis annoncé lui-même avec un Équateur à Paris pour soumettre devant Conseil de sécurité des Nations Unies une résolution pour recommander Kenya pour ta diriger une action militaire en Haïti pour aller des polices nationales là combattre gang Améo Jacqueline Bélizer. D'après résolution 2692-2023 Conseil sécurité Nations Unies, en date 15 juillet passé, secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres pral gagner pour remettre 15 août cap vin là, yon plan cap gain pour décrire assistance Nations Unies capable bail pour améliorer sécurité en Haïti et yon support tout pour lutte contre commerce à détournement d'armes illégales et yon appui pour police nationale là ak yon force multinationale qui pap en bas leadership l'ONU et ak yon possibilité pour yon opération maintien la paix dans cadre yon solution politique en Haïti. Et c'est dans contexte ça que pays Kenya proposé pour prendre tête yon force multinationale ak 1000 policiers pour aider Haïti faire face ak activité gang yo. Après environ 9 mois côté Nations Unies t'a mandé sans succès pour un pays conduit force multinationale ça. Mais question qu'a posé journée aujourd'hui à qui rôle États-Unis pral jouer nan cause ça? Est-ce que l'a voyé troupes, l'a voyé la baïzam, l'a voyé soldats? George Oriol, yon responsable placé nan centre stratégique pour études internationales dit États-Unis capable jouer trois rôles. It can play actually a diplomatic role.
It can play a role behind the scenes. Li capable jouer un rôle diplomatique, li capable jouer un rôle derrière rideau dans l'ONU et l'autre côté encore. En même temps, encourager coalition pays pour y côté coller et répondre par rapport à crise haïtienne. C'est un rôle important. Deuxièmement, gagner un aspect pratique. Kenya a besoin de support logistique, transport et en même temps, leur arrivé à Haïti, gaza fait langue, il y a bien pour faire face à quelques questions pratiques. Est-ce qu'il y a utilisé un plan côté, il y a prêté un seul côté ou bien il y a tout partout, donc qui plan. Malgré critique moins gagné contre États-Unis, il y a gagné sans doute un plan au niveau Pentagone, DIA et même département d'État, sous qui ça, une force sécurité doit faire en Haïti en coordination avec l'autorité haïtienne. Et puis troisièmement, la garder succès mission par rapport à l'objectif qui j'en saprai aller pour, c'est pas seulement dans la capitale, mais dans tout pays pour une coordination avec le gouvernement haïtien pour supporter la police nationale, la collaboration avec l'organisation privée, ONG et gros acteurs dans la société. Si toute étape remplie, j'en saprai voir, policiers pays Kenya arrivent en Haïti. Mais avec une mauvaise réputation, est-ce que yo commet un pile abus sous population civile la caillou, surtout dans la période COVID-19 là, et pendant manifestation et peuple souverain contre pouvoir en place là. Cependant, Jean-Joriol pensait que yo doit avancer pour pire devant dans exécution plan, surtout qu'on y a gagné un leader en parlant de Kenya, avec l'autre pays qui voulait poter coller parmi eux, Bahamas, Jamaïque. Question pour une force étrangère débarquée en Haïti pour aider PNH la continue de diviser société haïtienne nan, ak réaction déparement qui sortit dans plusieurs secteurs. Vraiment vraie situation Haïti a détérioré d'après dernière présentation représentant secrétaire général l'ONU en Haïti Marie Isabelle Salvador gagné 5 200 000 moun parmi 3 millions de moun qui besoin assistance humanitaire. Il y a environ 128 000 personnes qui sont obligés de quitter Kayo à cause de gang armé. M. Fouyol pensait qu'il y a une raison qui mettait le pays à côté de là, c'est un problème de gouvernance. C'est une crise de leadership. It's often easy to forget that over two years ago, the president of Haiti was assassinated in still somewhat murky circumstances. There's been an interim government. Jacques Lebelizer, VOA Creole. Maryland. Et bien, toujours dans le concernant le pays d'Haïti, et possibilité pour Kenya de diviser une force multinationale pour l'Haïti, diviser la communauté haïtienne, particulièrement le monde qui n'a pas de prince, côté réaction différente, en ajoutant dans tout simple plus de détails. Selon le résultat enquête ça, Société Conseil Diagnostic Développement Groupe DDG réalisé sous situation sécurité pays d'Haïti, que Alliance pour gestion risque à continuité activité AGRCA, publié, 68% citoyens yo estimé question insécurité détérioré sorti janvier pour arriver juillet 2023 yo d'accord que PNH a besoin immédiatement appui yon force internationale pour rétablir sécurité avec la paix dans pays yon. Département sud Atibonite 74% à 76% monde cap vivre dans région sa yo respectivement favorable à yon force étrangère. Toujours selon sondage, ça, environ 60% sondé yo fait qu'on est PNH là pour compte li pas qu'à rétablir sécurité dans le pays d'Haïti, 74% quoi pour rétablir sécurité dans le pays yon, à éradiquer gang armé yo, la police a besoin de tout soutien force l'armée d'Haïti. Organisation, nous voulons parler de AGIRCA, recommandé pour que, en attendant l'État haïtien, établi yon mesure sociale ak yon système juste ak équitable pour la paix retourner tout bon vrai pour circulation bien ak moun fait sans crainte dans pays yon, eh bien, toute partie prenante au niveau national ak international doit travailler ensemble pour surmonter défi Haïti à confronter depuis yon bon bout de temps côté d'après résultat enquête ça, trop sans verser dans pays caraïbien ça. Ou nan tous. Pour VOA Creole, Port-au-Prince.
Mesdames et messieurs, pas oublier Kenya, c'est premier pays qui accepté pour lui prendre tête une force multinationale pour venir aider pays d'Haïti sortir dans situation ça que lui a fait face ensemble avec lui selon plusieurs personnes et mes forces multinationales ça c'est celle façon pour capable aider pays d'Haïti. Il y a un paquet de monde qui t'a supposé opposer mais qui capé bon côté force ça tant que Moïse Jean-Charles qui déclarait mais l'État haïtien n'a pas eu l'autre choix que accepter force-là. Mais si toutefois, il a fait erreur, il a levé campé. Ancien Premier ministre Evans Paul, ancien Premier ministre Joseph Jout, nous gagnons André Michel, nous gagnons Nenel Kassi, entre autres. Mounsao qui, ce sont des figures que peuple haïtien te fait confiance qui arrivait accepter force si là. Mais jusqu'à présent, nous pouvons connaître est-ce que oui ou non l'ONU a accepté by accord. Pour Kenya capable prendre tête force multinationale si là puisque Canada y a été proposé et passé offre là en banel te décidé refuser catégoriquement. N'a dit que leader militaire yo dans Niger ben yo menacé pour yo exécuter président déposé à n'a pas de Mohamed Bazoum si ta grande intervention militaire qui d'avait fait dans pays a pour yo ta capable mettre en place. Ça c'est déclaration leader militaire nigérien yo fait, en tout cas déclaration ça le fait après et monsieur CDA yo même yo était by l'ordre pour que yo intervention militaire faite pour aller replacer remettre en place li président déposé à qui lui même toujours dans les militaires. Nous parlons dans l'autre nouvelle dans le pays d'Haïti, dans l'occasion de la journée internationale de la jeunesse, là, 12 août, qui a venu là, mais plusieurs centaines de jeunes réunis dans un hôtel dans la capitale haïtienne, Port-au-Prince, Emmanuel. Assemblée dans le Caribe Convention Center dans le cadre de la 5e causerie jeunesse haïtienne. Cause Génio organisé événement ça en baptême Voix Génio Comté avec un accent particulier sur participation Génio dans le prochain processus électoral là en deux pays. Causerie qui débutait par allocution président Estrictissa Sonel Joseph qui dans discours circonstancié mettait en avant potentiel et importance Génio dans la construction d'une société démocratique et inclusive. La voix des jeunes compte pour dessiner un autre destin à notre cher Haïti. La voix des jeunes compte pour redonner espoir au peuple haïtien d'ici et dans la diaspora. La voix des jeunes compte pour moderniser la vie politique en Haïti. Cinquième causerie jeunesse haïtienne organisée en prélude journée internationale jeunesse cap célébré 12 d'août. Événement ça souligné importance pour bailler une voix à jeunes yo pendant après connaître capacité pour façonner avenir pays. Mais pour arriver à atteindre objectif ça yo, yo doit faire unité pour faire pression sur l'État selon monsieur Joseph. Nous devons nous unir pour faire entendre nos voix. Marchons sur un même rythme. Harmonisons nos voix à la manière d'une chorale du gospel. Prenons pour défendre nos intérêts et décider notre destin. Bureau intégré Nations Unies en Haïti, BINU, c'est un partenaire financier initiative ça. Représentant spécial adjoint secrétaire général Nations Unies, Madame Richardson Ulrika, salue Jeanne Sayo pour l'initiative là qui visait prendre route changement pour bien-être population haïtienne. Le fait que vous êtes ensemble. Vous n'avez pas tous les mêmes opinions, vous ne venez pas tous de même sphère sociale, mais vous cherchez un changement pour le bien du pays et pour le bien de la population haïtienne. Et donc ça c'est à saluer. Cinquième causerie jeunesse haïtienne, c'était un événement qui mettait en évidence volonté jeune pour impliquer activement dans la vie politique pays. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Et puis, aéroport international Ville-Cap-Haïtien accueille chaque mois, mes amis, 20 000 passagers, d'après déclaration du responsable journaliste Gérard Maxino dans Cap-Haïtien. Et les jours à cause de fête patronale Ville-Cap-Haïtien, 15 août, qui vient là, passagers qui fréquentent l'aéroport international au Cap-Lan augmenté considérablement. Edouane Pierre, c'est directeur Airport Cap-Haïtien. Année ça, étant que l'année dernière, pour quantité de monde qui a débarqué là, on a dit presque dépassé
ça ne dégaine comme comme plan quoi, mais ça nous était espéré parce que pendant tout le jour ça au là vol spirituel rempli, vol Bahamasia rempli, même vol Port-au-Prince surtout, il y a plein de monde qui a rentré dans la ville là qui a venu célébrer, fête. Dans le jour passé, l'aéroport a fait face à un problème d'électricité, il y a un dérangement qui presque fini résoudre. Nous avons eu un problème d'électricité semaine dernière qui pour le moment n'a pas dit presque totalement résolu. Parce que entre temps ça nous fait nous changer génératrice que nous avons servi, nous refaire réseau. Donc nous avons une grande amélioration pour période ça là. Si au Katagon problème, l'aéroport international capable ici capable rapidement faire face à Kadjujansio selon responsable là. L'aéroport ça c'est un aéroport qui gagne une trentaine de pompiers qui travaillent là dedans. Nous gagne deux mobiles pompiers qui là pour faire travail là. Nous gagnons infirmerie, nous gagnons trois médecins, nous gagnons une ambulance qui là au cas où t'as pas un problème. D'ailleurs ça aussi des exigences que faut même que réglementation fort pour aéroport aller même là les fonctionner. Et à Port-au-Caplan, où se voit chaque mois environ 20 000 passagers. Gérard Maxino Cap-Haïtien pour la Voix de l'Amérique. Et puis, fanatique, mon cap sur le dossier immigration, à partir de jeudi, à même jeudi, vendredi 11 août, là, eh bien, autorité américaine, particulièrement département de la sécurité, a étant le programme réunification familiale là pour familles haïtiennes avec cubains pour capable rentrer tous sous condition aux États-Unis à condition que demande que parents ou bien femmes ont fait pour l'été déjà approuvé. Donc rester temps pour que visa center envoie une invitation bas et pour cela capable continuer et capable venir temps et visa là aux États-Unis. Et nous croyons que lundi prochain, Guerline Joseph va venir ici pour venir expliquer ben nous plus de détails sur ceci-là. Anna Genou Rodriguez avec Nouvelle Souveraineté. Voilà, mesdames et messieurs, c'était rubrique information. Rendez-vous ensemble avec VOA Créole, où tu es sous plateforme par nous. Et nos pâmes, c'est Fabula Jean-Charles, et c'est chaque jour, jour plaisir, pour nous capables de porter rubrique ça pour rendez-vous cassé lundi, 5h PM, pour prochaine sortie édition, ça d'ici là. Restez bénis et protégez-vous. Bon week-end à vous tous, mesdames et messieurs.